Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Once Humaine. Donc c'est une vidéo découverte que je fais avec vous. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, si cette vidéo et si même une petite mini-série vous intéresserait sur ce jeu. Pourquoi je dis mini-série? Parce que pour avoir déjà joué quelques heures maintenant, je sais que le jeu est redondant, donc ça sera pas fun de faire toute la map ou tous les boss. Donc je vous propose une petite série de quelques épisodes, 5-6, voire peut-être un peu plus, je sais pas, on verra. Selon l'affinité avec le jeu, ça pourrait très bien faire 3-4 épisodes. Voilà, c'est selon comment on déroule avec le jeu. À savoir qu'il y a quelques potes qui jouent déjà à ce jeu, donc peut-être qu'on soit on les rejoindra, soit ils nous rejoindront, soit il y a même Serenity qui pourrait nous rejoindre, enfin des trucs dans ce genre. Donc en vrai, on verra par la suite si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, sachez qu'entre cet épisode-là et l'épisode qui viendra certainement dans la journée ou demain, vous verrez que le jeu a pas mal évolué entre-temps. Enfin, nous, de mon gameplay que je faisais actuellement que vous allez voir dans cette vidéo, au gameplay que je fais maintenant, ça a quand même pas mal évolué. Que ce soit mon stuff, mon équipement ou autre, vraiment, il a quand même bien pex. Donc, je vous laisserai voir ça dans la prochaine vidéo, du coup, si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est une petite découverte, pas dégueu. C'est un mélange de The Division avec un autre jeu, sauf que sur The Division, t'as pas de base, donc c'est un bon truc. Mais après, on l'a pas dit dans la vidéo, mais il y a pas mal de pay to win, les trucs dans le genre. Si tu veux avancer plus vite que les autres, si tu veux avancer même plus que la norme, ou même si tu veux vraiment avancer tout simplement, bah ta carte bleue, elle va chauffer salement. Parce qu'apparemment, de toute façon, c'est des leaders chinois, et apparemment, ils sont. De toute façon, en Chine, c'est tu payes, t'avances. Donc, ça se voit, ça va se voir un peu parce que quand tu vois les trucs qui en vente, les trucs dans le genre, ouais, ça bombarde un peu au niveau de la carte de bancaire. Donc, écoutez, les amis, j'espère que vous kifferez cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas. Au début, ça va être plus cinématique. D'ailleurs, vous allez voir que je vais pas beaucoup parler pour vous laisser un peu l'immersion du jeu. Et moi, je commencerai à parler à peu près vers la moitié de la vidéo, voire un petit chouïa plus. Mais voilà, vous me verrez vraiment parler. Quand on arrivera, quand on aura déjà fait notre base, je vous montrerai après le déroulement de notre base, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, j'espère qu'en tout cas ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit like, un petit commentaire. Je le redis maintenant, n'oublie pas qu'il y a la dernière vidéo qui est sortie. C'est un giveaway, donc disponible pour tout le monde, je le répète, disponible pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Faut laisser un commentaire sous la vidéo, être abonné à la chaîne YouTube et venir sur le Discord communautaire pour pouvoir être éligible à ce giveaway. Donc tous ceux que ça intéresse, voilà, c'est entre les 1000 et 1500 abonnés. J'ai décidé de le laisser. Donc on verra si je le fais, je vais faire à 1300 ou alors à 1500 ou 1600. Donc c'est à vous de voir, les amis. Je vous laisse le choix de choisir si vous voulez participer ou pas. Sur ce, bonne vidéo à vous. But everything is born from darkness. Even the universe itself. Now, do you see it? A glimmer within the void. The spark of life still burns, and evolution forges a new way forward. Once your faith overcomes despair, once you move beyond death, once life returns to this world, we'll meet beyond that path. Ok. Au début, t'es en solo, non? Ouais. Oh, la façon que le dé... C'est-à-dire...
6 heures le mot de passe, 07, 28. Il y a trop de cinématiques par contre. J'aime bien la cinématique, mais bon. And you're a metahuman too. I don't know who you are, but I know what you are. You awakened the cradle. And that's something only a metahuman could do. You've lost your memory. Do you remember? It must have been that fluctuation just now. You can call me V. I came to secure a deviation. Right now, though, we need to move, but only if you help me complete my mission first. All you have to do is listen to what I tell you. Yes, dorm, okay. This is a life form that has been infected with stardust. It's called a deviant. Our world has been overrun with deviants ever since Starfall. Ordinary people can't take high levels of stardust. But you're a metahuman. You should be fine. In fact, if the conditions are right, you might even be able to use stardust to your advantage. Notre système d'inventaire. Il y a un jump. Ça s'amuse de tout n'importe quoi. Dans mon 5 espace temps. ADT-011. My name is Victor Hammett. What's your name? My butterfly. It's flying. We need something powerful to challenge the evolutionists. And I think I finally found it. You. Hey, we can secure other deviations. We can use them to forge a new. Ah ouais, d'accord. Bon, juste pour quitter ce mode. Feel the rhythm of it. Then try and secure it.
Mais je dois faire quoi là? Ah, toucher. Ah oui, il te lâche comme ça dans la nature, ok. Did all kinds of experiments on me. Mitsuko is a very special meta. She can sense even the tiniest. It's thanks to her that I was able to take refuge in. Yes. Blablabla, on dit bien. The butterfly has recovered. I think it likes you. Voilà, mais c'est tranquille, hein, on va marceler là. No one's exactly sure what they are. Just when deviation and when that happens. It's not practical. You must be. Shit. Come on, Meta. Take the butterfly with you. À partir de quel moment qu'on est en multi, Jinx? Je m'en rappelle plus. Exactement quand c'est. Parce que là, tu sais, je suis dans la baraque où il y a Mitsuko là, je sais pas quoi. Alors attends. Ah d'accord. Ouais, on a été vu que c'est le premier combat à la cinématique. Est-ce que comme ça, moi? Capable of. Oui,
Rien, il aurait pu l'appeler antenne satellite, ça aurait... antenne, ça aurait été bien. Hein. En fait, c'était... ouais. Ouais, je tue des vite merde là. Alors je vous fasse des flèches. Damn. Encore. Was it difficult? You're tougher than... Ils abusent. Yes. Do you? It's possible. Meta, will you go? Take. Hopefully we'll meet again. Looks like. Beaucoup de blabla, allez. Laissez-moi une fight. Ah, peut-être du continuer à parler du coup. Look at that. 20 years after Starfall, and the world is still infested with stardust. It looks like the monoliths here have been reactivated too. They might hold the key to all the stardust pollution. Ah, il y a un nouveau là. Ça, mais c'est des bases, tout ça. De toute façon, c'est PVE, donc ça a rien que. Je me suis dit, j'ai peut-être intérêt à regarder lui le full max. Alors, confinez que c'est un visite, trouver un PVP et installer votre territoire, ok. Donc là, l'objectif, c'est d'installer le territoire. Mais vu que je sais que les potes... Déjà... Une base... C'est quoi ça? Ah les amis, moi je découvre en même temps que vous, vraiment. Ok, donc c'est là où tu regardes justement les le serveur. Hop. Et du coup, on va les faire un petit peu. Dans ce système là. Éclairage, bonjour. Elle a speedy. C'est quoi ça? D'accord, c'est eux qui parlent, ok. Ok, ouais, ça peut être intéressant. Interagir, salut mon ref.
La volée? Non. D'un coup. Bah, en fait, il y a tellement de bases que... Ça devient aberrant. Hop. Donc, le peu que j'ai compris, c'était de faire sa base, quoi. On va se faire ça, on va faire un petit truc de base. Mais après, le problème, c'est que les potes ont déjà une base, donc peut-être falloir que je les rejoigne avant. C'est quoi ça? Bon. Je sais pas trop ce que c'est. Donc là, nous revoici un peu plus loin dans le tuto et dans le jeu surtout. Comme vous pouvez le voir, je commence à faire des. Au niveau de la quête en haut, c'est, je commence à faire du charbon, des super genres. Donc on commence à petit à petit progresser. On commence aussi à comprendre le jeu. Voilà, parce que c'était pas très très simple au début. Alors excusez-moi, je vais vite. Parce que maintenant que je vous parle, j'ai besoin d'un peu moins de son. Mais ouais, on commence à progressivement comprendre le but du jeu. C'est pas très compliqué à comprendre, mais voilà, fallait quand même un petit temps d'adaptation. Et en fait, je vois ça comme un The Division mélangé peut-être avec Ark. Ark pour faire sa base, mais à part les dinos, parce qu'il n'y a pas de dinos là, mais... Entre guillemets, pour la même. C'est le même type par rapport aux bases, quoi, on va dire. Il y a peut-être même d'autres jeux qui sont un peu plus similaires. Similaires que celui que je viens de citer, mais. Donc là, par exemple, c'est un petit camp de mobs à démolir. Donc je l'ai déjà fait. J'ai fait celui qui est là-bas. Et on va les refaire en vidéo, là, pour que je puisse vous montrer un petit peu. Moi, ce que j'attends, c'est que ça soit fini. Et le deuxième truc, c'est que je voulais faire... Voilà. On va faire une vingtaine de flèches. Ah non, ça fait 100 flèches. Bon, de toute façon, tant mieux, on va dire. Est-ce que... Parce qu'au début, j'ai galéré. Pour la création. Du stuff, enfin, des armes, des trucs dans le genre, c'était là-dedans qu'il fallait aller. Et après, on débloquait tout au fur et à mesure. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ah, si, ça, je peux aussi, ok. Détecteur de minerais, ok. Ouais, ça, c'est pas très intéressant. Ah, mais t'es obligé de les prendre? Ouais, je suis obligé de le prendre si je vais aller au niveau suivant. Et là, c'est détecteur de minerai 2. Détecteur de ressources. Minerai, ouais. Ah, ça double l'efficacité d'extraction, donc c'est important. Donc là, c'est des trucs de bronze, tout ça, ok. Le truc, c'est que là, après, ça va être beaucoup du minerai. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est... Ah, mais ça coûte... J'ai plus qu'un point, je crois. Ouais, j'ai plus qu'un point. Moi, c'est ça qu'il me faudrait, là. Au moins mettre du stockage et tout ce qui est porte et vide, parce qu'en fait, quand vous regardez ma base, bah voilà quoi. Alors, ouvert de chez ouvert. Après les niveaux, je sais que ça se monte en tuant des mobs et tout dans le genre.
Pas mal. J'avais pas vu que j'avais un gilet pare-balles. Je prends. Ok. Casquette. Oui. Ok, ouais. Et le tuto au départ, c'est toujours. Hop. Ouais, non, on va rester sur ça. Eh oui, d'ailleurs, il y a un. Pourquoi tiens? Il y a un but. Il est pas là? C'est là, là aussi. Faudrait que j'aille essayer de voir là-bas. Hein. J'y ai pas été encore. C'est des trucs de joueurs, ça, ou quoi? Je sais pas. Faudra qu'on voie. En tout cas, je vais d'abord essayer de finir ça. Est-ce qu'on peut voir. J'ai envie de voir le bus. Parce qu'il y a un bus qui passe juste en dessous, là. Donc, c'est un truc quotidien, en fait. C'est clairement un truc qu'on récupère tous les jours. Et pour l'instant, moi, je l'ai pris aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Ok, dans 1 minute 18, ça c'est bon. Mais du coup, je fais ça, mais je sais même pas ce que je vais en faire du. C'est juste parce qu'il me demande de le faire. Ah, on peut faire. Ok. Il devient si clair. Même faire des flèches en cuir. C'est amélioration ou c'est création? Alors non, hein. Là je crois que c'est création. Allume, hein. Mais non, mais celle-là par contre je peux la. Comment on fait pour la. Normalement, ça devrait le faire. Donc, puis normalement, là. Dans 18 secondes, on aura notre truc. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en off, je vais essayer d'améliorer notre baraque pour qu'on ait un petit. Un bon petit espace. Tranquillou, pilou. Et à savoir que je vais certainement pas rester là aussi, parce que j'ai les frérots de la Corpo qui sont sur le jeu, qui ont déjà créé notre petite fac, donc. Donc ça sera là où on ira. Niveau supérieur, là, je vais pouvoir débloquer des trucs après. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer un peu de gravier en off. Et je reviendrai vers vous dès qu'on ira faire une exploration. Là, tout de suite. Donc les amis, je vous reprends après une toute petite heure de farm. Pour vous montrer déjà ce que j'ai fait. En termes d'avancement sur la base, je vous avais dit que je voulais l'avancer, donc bah, voilà, elle ressemble à ça vu l'extérieur pour le moment. Bien entendu, je veux l'améliorer encore un peu plus, mais on va dire que pour le moment, ça suffit largement pour le peu que j'ai à faire. Hein, je trouve que c'est largement suffisant. Là, je vais peut-être refaire un truc là-bas, là, on voit. Enfin, voilà, pour que ce soit un peu plus lui qui est stylé. Là, il y aura peut-être un petit balcon, des trucs dans le genre, donc. Voilà, un petit truc assez stylé. L'intérieur aussi, il a évolué. On a des machines à droite, à gauche. Ok. Je suis toujours en train de découvrir des trucs dessus. Hein, c'est. D'accord, ok, tu peux fixer le truc électrique là-dessus. Ok, donc ouais, on a pris notre petite base, truc à droite, à gauche. Les coffres, important quand on va se déplacer, là, comme on va le faire. J'ai mis des fenêtres un peu partout, parce que comme vous voyez, c'est ce qui éclaire la pièce. Donc c'est vraiment assez stylé. Hein. Assez stylé, même si j'avoue que j'ai peut-être, alors peut-être, un peu trop exagéré.
Là, en tout cas, c'est bien. Tu peux t'en servir. Donc, ouais, du coup, là, peut-être que dans le futur, ici, là. Attends, je vais juste voir si je peux le mettre maintenant, ouais. Tac, tac. Ouais, donc, c'est assez bizarre parce que tu dois faire clic droit pour revenir sur ça. Mais du coup, voilà, bon, je viens de le faire avec vous. C'est parfait. Hop, du coup, là, on vient, on fait R, R. Et je suppose que si je fais... J'ai pas assez de verre, je crois, sur moi. Ah non, c'est de l'adhésif qui me manque. Ok, bon, c'est pas très grave, ça, on le remettra après à la fin. Donc, bon, il y a des fenêtres là, mais bon. Donc là, l'objectif, les amis, on va partir de la base. Je lui avais dit qu'on allait explorer une ville ou un truc de merde comme ça. Mais du coup, pas du tout. On va aller au point de la mission. Et l'objectif, c'est d'y aller. Et puis après, ça sera la fin de cette vidéo de découverte. Et si ça vous intéresse, on pourra faire un tout petit let's play dessus. Parce que c'est pas un jeu que je pense qu'on va te regarder pendant des heures et des heures. Mais au moins, quelques épisodes dessus pourraient simplement être pas mal, que ce soit pour vous ou pour moi. Donc, les amis, vous me dites ça dans les commentaires si ça vous intéresse de voir plus d'épisodes de jeu. Et puis voilà. Et donc, surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Très important. Du coup, on se retrouve directement au lieu de la mission, les amis. Donc, les amis, nous voici sur Zone. Donc, la mission, c'est aller dans les ruines de Monolith chercher des fournitures. Donc, ça doit être... Ouais, c'est par là, apparemment. Donc, c'est à l'intérieur, ok. J'espère qu'il y aura des villes, des trucs dans le genre, parce que là, pour l'instant, c'est juste des petits trucs à droite, à gauche. Donc, j'espère, honnêtement, qu'on aura des meilleurs trucs en termes de bâtiments ou autre. Je dis ça, je connais pas trop l'ambition du jeu, j'ai pas été voir ce qu'ils avaient comme pour ambition, quoi. D'ailleurs, j'ai vu que tout le monde avait des motos, et je pense sincèrement que je pourrais me faire une moto moi-même en rentrant, donc peut-être que dans le prochain épisode, si on en fait un autre, vous verrez peut-être du coup des une moto. Après, comme je vous l'ai dit, là où je me suis installé, même si je suis en train de faire un petit truc assez quali, j'espère, c'est pas un endroit où on va rester vu que on rejoindra certainement les potes de la corpo parce qu'il y a aussi des potes de la corpo qui jouent au jeu. On a déjà créé le tag de la DG Team, donc autant tous s'unir plutôt que de séparer. Elle est bien quoi. Hands off my stuff. Ouais, dommage qu'on parle pas par contre parce que nous là on est mieux. Lucky for someone who doesn't even have a weapon. Quite impressive, to be honest. Il n'a même pas d'arme. T'inquiète, j'ai une arbalète. A cradle on your back? Are you a maif? How interesting. C'est une unique survivante. Si tu pensais l'unique survivante, pourquoi t'accueilles un autre survivant comme ça? Quelle débilité. I'm Mary. I came here to investigate a deviation that's been causing issues. I think it's connected to a recent... Don't tell me you're going to try and take on a powerful deviation barehanded. Even an ordinary deviation... You're pretty inexperienced, aren't you? I'm going to give you a bloop while you're doing that. I have other matters. Once you're done, come find me in Deadsville. It's after all... too... Le chasseur. Ok, c'était juste là. Another Mayfly survived, yet I can't remember her. Téléportation recommandée. Ah, je peux me téléporter jusqu'à chez moi. Just to be safe.
We better not share the existence of Mitsuko with that woman. That blueprint is rock solid, though. We can use it to make a real... Ah non, c'est F. Let's check your memetics and start by building a gear workbench. Attendez, c'est F sur le... Voilà, F sur le point. Ok, bah ça c'est plutôt worse. Je savais pas. En tout cas, ça c'est cool. Donc, au moins on sait qu'on peut aller se balader dans ta gauche et revenir et se faire plaisir de zinzin. Donc en tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On n'oublie bien entendu pas de s'abonner, c'est un très ultra important. Il y a toujours le giveaway en cours, jusque je l'avais dit, jusqu'au 1000-1500 abonnés. Donc tous ceux qui ont été commentés et abonnés à la chaîne YouTube auront le droit de participer. N'hésitez pas, n'oubliez pas de rejoindre le Discord communautaire par la même occasion. C'est les seules conditions, être abonné, laisser un commentaire et venir sur le Discord communautaire. Bien entendu, voilà, c'est pour ceux que ça intéresse, c'est quand même entre 50 et 100 balles gratuit, donc ceux qui sont chauds, n'hésitez pas à le faire. Mais en tout cas, j'espère que voilà, cette petite vidéo découverte de Once Humaine vous aura fait plaisir. Et si ça vous plaît, bah, on recommencera certainement d'autres épisodes, et même, pourquoi pas, nous, on va commencer à avancer en live tranquillement avec les potes. Donc voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.